Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Voilà, j'arrête mon téléphone. Je continue la lecture de ce fameux livre « La présence totale » par Louis Lavelle. Alors je lis, je découvre la lecture de ces... De ce que je suis en train de lire. Et je digresse à partir de cette lecture. J'essaie de confirmer la théorie que je défends sur mécaniqueuniverselle.net, le site dans lequel j'essaie d'expliquer le plus raisonnablement possible, le plus rationnellement possible, pourquoi, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette perfection, c'est, dans son essence, l'accès facile à l'extase. L'extase, l'éveil, le nirvana, la béatitude, peu importe comment on l'appelle, mais c'est cet état supérieur, cet état particulièrement, radicalement différent de l'état ordinaire dans lequel on vit notre vie globalement la plupart du temps. Voilà, la conscience, là, ma conscience actuelle, elle est dans son état ordinaire, l'état qui me permet d'agir, de faire, d'être... présent à ce monde sous cette forme-là, qui est, selon moi, la moins présente des deux. La plus présente au monde, l'état le plus présent au monde, c'est l'état d'extase, d'éveil, de nirvana. Voilà. C'est ce que disent tous les grands spirituels qui ont expérimenté ou qui ont compris ce que représente cet état supérieur de la conscience, de l'esprit, en somme. Donc, voilà, je suis arrivé, alors, j'en suis au dernier chapitre et à l'avant-dernière partie, qui est la partie 8, de ce chapitre qui s'intitule « La présence retrouvée ». Ben, justement, à mon sens, ce dont parle Louis Lavelle, cette présence retrouvée, cette présence absolue, c'est la présence à partir de l'état extatique, la présence de l'extatique. Alors bien sûr que pour atteindre l'extase, pour atteindre cette ultime perfection, il faut que toutes les perfections techniques aient été réalisées. Celles qu'on poursuit inconsciemment, que l'humanité poursuit inconsciemment. Je parle toujours de la globalité de notre espèce, de l'humanité, parce que c'est ça, en fait, c'est l'espèce dans sa globalité qui va vers cet état de perfection. Alors espérons que la conscience se hissera à ce niveau lorsqu'il faudra se réunir totalement, en finir avec l'antagonisme, voilà, la violence, la guerre, la haine, le racisme, enfin tout ce qui aujourd'hui encore nous empêche d'atteindre un niveau de conscience suffisant pour vivre dans la bienveillance, le partage, la symbiose, voilà. Et l'état supérieur, c'est l'osmose, ça sera ça l'état d'extase. Alors il faudra encore travailler cette humanité techniquement pour nous continuer à nous unifier, nous allons vers cette unification, nous évoluons vers cette unification de décennie en décennie, de siècle en siècle,
Voilà, il y a 100 ans, on ne parlait pas encore de possibilité de l'ONU, par exemple, de l'idée d'une organisation mondiale des Nations Unies, de l'UNESCO, voilà, de toutes ces. On était encore à d'autres façons de se regrouper. Depuis l'origine de l'humanité, depuis qu'on s'est distingué des autres primates, on s'est séparé d'abord en petits groupes, en tribus, etc. On est allé en clans, voilà, on est allé coloniser un peu tous les espaces, essayer de s'adapter à tous les espaces, et on y est parvenu, hein. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire. Dans la grande aventure de l'humanité, on s'est acclimaté au froid extrême, les Inuits, au chaud extrême, les Bédouins, voilà, à la forêt la plus dense, la plus, voilà, c'est incroyable. Dans les peuples amazoniens, à des altitudes incroyables, sur le bord de l'eau, sur etc. etc. Donc l'ensemble humain, et c'est pour ça que il faut voir cette humanité dans sa totalité, parce qu'en fait, chacun est allé travailler en somme, intuitivement, sans le savoir, à s'adapter à tel endroit, etc., à persister jusqu'à ce qu'on puisse analyser, découvrir, c'est-à-dire que l'ethnographie, que l'ethnologie apparaissent, que des hommes curieux puissent aller à la rencontre de ces civilisations et leur posent les questions, les apprennent à les connaître, etc., comprennent tout un tas de choses qu'on devait comprendre pour le bien de l'humanité, pour enrichir la connaissance de l'humanité. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et même la façon dont ce monde est construit, on voit qu'il est incroyable. Parce que imaginons que nous soyons constitués d'éléments, les eaux par exemple, qui soient sous la forme molle. Et qui se détruisent à notre mort. Voilà. Eh bien, on n'aurait jamais pu comprendre notre histoire. Parce qu'on n'aurait pas retrouvé d'éléments qui nous permettaient de comprendre que nous sommes passés du singe, des primates naturels à l'humanité. Donc, le moment où notre cerveau a été apte à étudier, à comprendre, etc., on n'aurait plus eu la matière pour pouvoir analyser, étudier l'histoire de l'évolution humaine. Donc, rien que ça, c'est proprement magique, quoi. Voilà, on aurait très bien pu être constitué sous la forme des limaces, hein. L'humanité avoir évolué comme ça, voilà. Bon, bref. C'est quand même, voilà, tout est extrêmement cohérent dans cette évolution du vivant, de la vie, de l'univers, etc. Donc, voilà, je commence ma lecture, je découvre en même temps et je digresse. Voilà. Alors, chapitre 8, le sage est indifférent aux états. Voilà, et là on arrive au sage. C'est les dernières pages, vraiment les dernières pages de cet ouvrage. C'est la première fois qu'il parle du sage, au moins dans la partie que j'ai lue. On conviendra sans doute que chacun de nous vit dans un monde purement représenté et que ce monde est son œuvre, qu'il diffère d'un individu à l'autre en richesse et en profondeur, et qu'il mesure, pour ainsi dire, la qualité et la puissance de notre propre participation à l'être total. Bien sûr. Et c'est là où c'est quand même incroyable, parce que
Depuis quelques années, c'est la mécanique qui m'a mis sur cette façon de voir le monde. Mais chaque fois que, bien souvent, j'y pense, pas tout le temps évidemment, mais bien souvent quand je croise quelqu'un dans la rue, quelqu'un me dépasse, voilà, un autre être humain, un autre individu. Je me dis, mais voilà, cet homme-là ou cette femme-là, cet enfant a dans son esprit tout un monde, tout un univers, tout l'univers. Tout l'univers est à l'intérieur de son esprit. Sa façon de penser, sa façon de l'univers, selon lui, est ceci. Un autre, son univers, l'univers sera cela, etc. Et c'est incroyable que chaque être humain soit une totalité et soit la totalité de l'univers. Il y a quelque chose à creuser là-dedans et il faudra que je me penche sur cette question plus, parce que c'est très intuitif à ce niveau-là. Et effectivement, chaque être humain, nous participons à l'être total, puisque nous le concevons dans notre cerveau et pas au-delà. Et c'est la seule chose dont on peut être sûr. C'est l'être humain qui traverse la rue là-bas, construit l'univers à sa façon, voit l'univers tel qu'il l'imagine, et il est dans cette totalité. Le jour où il disparaît, le jour où il meurt, le jour où je meurs, l'univers, selon moi, disparaît, selon ma conception. Alors, il continue après, bien sûr, mais voilà, c'est tout un univers. Et donc, on englobe cette totalité et en même temps, on participe à l'être total, puisque nous sommes, l'être total, c'est le divin, c'est la création totale. L'être, c'est l'univers, on va dire, c'est la création telle qu'elle se représente. Voilà. Et l'être total, c'est la création plus le principe créateur. Je le verrai comme ça. Et donc, nous sommes inclus dans cet être total, puisque nous sommes un élément de la planète. Nous vivons parce qu'elle génère cette planète, par les autres éléments. Nous sommes constitués d'atomes qui ne pouvons rester en vie sous la forme d'être humain ou sous la forme vivante que parce que nous respirons des atomes d'air, que parce que nous buvons des atomes d'eau, que parce que nous alimentons de tel et tel produit, etc., qui appartiennent à la Terre. La Terre elle-même appartient à l'univers, à la Voie lactée d'abord, puis à l'univers. Donc nous sommes une partie de cela. Et l'ensemble humain et l'humanité, etc. Alors, mais ce n'est pas à la multiplicité de nos contacts avec le tout que notre ambition doit être consacrée. Voilà, bien sûr. À la multiplicité de nos contacts avec le tout. Ce n'est pas dans la vie ordinaire. Là, je consacre ma vie est consacrée là dans l'état de conscience ordinaire à ce tout. C'est-à-dire que voilà, je vois, il y a un frigo, il y a une table, il y a une télévision, il y a des céramiques au truc, etc. J'habite dans tel village, je fais partie de telle nation, etc., etc. Tout ça, c'est la multiplicité des contacts avec l'être, des êtres particuliers. Mais ça, c'est pas le sommet de notre conscience. Car un tel progrès a sa rançon. Aucune des formes particulières de l'être ne peut nous satisfaire. Aucune, bien sûr. C'est pas, voilà, l'être, il est aussi sous une forme, le véhicule qui est là. Mais le véhicule qui est là, il ne me comblera pas. Ce que je suis, mon ego,
ne me comble pas. Il n'est pas, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va me combler. Toutes les formes de l'être, tout ce que je possède, ne me comble pas. Voilà. Et on le voit avec les grands mouvements de l'humanité qui conduisent, comme en ce moment, à la guerre, où les gens perdent tout d'un seul coup et se retrouvent à devoir vivre sans plus rien de tout ce qui faisait leur environnement technique, technologique, voilà, social même, etc. C'est quand même incroyable. Il ne faut donc pas s'y attacher. Elle nous engage dans une poursuite indéfinie dont le terme nous échappe toujours. Elle nous mêle à leur conflit où le moi se déchire. De fait, nous sommes toujours divisés avec nous-mêmes tant que nous n'avons pas dégagé en nous la simplicité de l'acte pur. Et la simplicité de l'acte pur, c'est la contemplation extatique. C'est l'état d'extase où c'est l'acte qui ne juge plus, qui est dans une épochée parfaite, une épochée, je ne sais pas comment on dit, totale, absolue, de la contemplation de l'être dans chaque chose, de l'être pur dans chaque chose. Chaque chose est constituée par ces quarks. On est tous constitués de quarks, de ce qui est la plus petite chose actuellement définie par les scientifiques qui constituent la matière. On dit que c'est le quarks, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont plus loin maintenant, les physiciens, mais bon. On est tous constitués de ça. L'univers est constitué de ça. Et ces quarks peuvent voyager à travers l'univers, étaient à l'origine de l'univers, déjà dans le Big Bang, etc., etc. Donc, c'est dans cet état de lien avec cette essence des choses, l'être pur dans les choses, que nous amène l'acte pur dont je pense qu'il s'agit de l'extase. Nous devenons le jouet des passions dans l'autre, dans la vie ordinaire. Nous nous heurtons de toutes parts à nos limites. Nos voeux sans cesse plus nombreux continuent toujours à être déçus. Notre impuissance qui croyait se réparer ne fait que s'accroître. Et là, on voit, on sait, et ça, c'est les grands apports de la philosophie et sans doute de la religion qui a amené ça et des mythes qui ont amené ça. Les désirs, les passions, ce qui nous meut à faire les choses, nous rend insatisfaits. On ne peut pas être satisfait. Et d'ailleurs, on le voit, voilà, les chefs d'État, là, c'est le plus haut degré de la quête, de la pulsion, de domination, de pouvoir. C'est le plus haut. On voit ces chefs d'État, ils se hissent, ils atteignent cet état-là qu'ils ont visé depuis sans doute longtemps, Il vise à être le numéro un du système. Ils y arrivent. S'ils n'ont d'ailleurs pas de vraie conscience du pourquoi ils cherchent à atteindre cet état-là, parce que bien souvent, on cherche à atteindre quelque chose, on a un but et on ne maîtrise pas complètement le sens de cette quête-là. Donc, ils arrivent là, et ça devient d'ailleurs des présidents médiocres, mais ils sont obligés d'incarner, ils apprennent à incarner quand même ils sont obligés d'incarner cette chose-là. Mais ça ne les satisfait pas suffisamment. Parce que d'abord, c'est
une des positions les plus dures, les plus difficiles. On est harcelé de toutes parts. Il faut une sorte d'état d'esprit incroyable pour être là et se maintenir là. Mais, eh ben, 5 ans après, on est éjecté du système. Et pendant qu'on est là, une fois qu'on a atteint cette chose-là, on ne peut pas se reposer et dire, ça y est, j'ai atteint mon truc, il manque quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut continuer. Et une fois qu'on a été mis à la porte, entre guillemets, eh ben, on cherche à revenir, on cherche à se faire réélire, on cherche à continuer. Et il faut que ça s'arrête. Et en fait, le seul moment où ils vont atteindre un état un peu de plénitude, et encore, on le voit quand on écoute les hommes d'État, les chefs d'État qui ont 80 ans, 90 ans, c'est pas la paix complète, hein, c'est ça qui est incroyable. C'est que ça ne permet pas l'épanouissement total. Donc la quête. Et la quête pareil, la quête d'une femme ou d'un homme pour une femme, on la désire, on la veut, etc. Il peut y avoir toute cette chose-là. On peut travailler à la conquérir, on peut être vraiment, voilà, y mettre toute notre énergie. On l'acquiert, et même si on a toutes les satisfactions pendant un temps déterminé, il y a un temps où cette satisfaction, elle est dépassée. C'est pas suffisant. C'est pas juste ça. Voilà. Il manque quelque chose. Il faut passer sur un autre désir. Il faut être animé par autre chose, par acquérir une maison, par faire des enfants, par voilà, etc., etc. Donc, c'est inassouvissable. C'est qu'aucune de nos acquisitions n'a de prix en elle-même. Elle n'est qu'un moyen et une des choses, par exemple, on achète un véhicule neuf. Ça m'est pas arrivé. Mais on achète un véhicule neuf. Même d'occasion d'ailleurs, un bon véhicule. On est curieux de tout, on voit tous les avantages qu'elle a. Les améliorations, on est heureux pendant un certain temps de prendre sa voiture, de rouler, etc., etc. Et puis un jour, ça disparaît, ça devient un instrument quelconque de travail, d'outil pour faire des choses, pour se voyager, pour bouger, mais ça a perdu la carotte qui nous a attirés vers cette chose-là. Et donc la vie est faite comme ça. C'est ça qui est incroyable. Et c'est valable pour ça. C'est valable pour les physiciens qui cherchent à comprendre d'où nous venons. Voilà, on avance sur la montagne. On pense que là, on va résoudre le problème. On découvre que on imagine que la création s'est faite avec des atomes. Démocrite, etc. Il pense comme ça, on le confirme, et puis on voit qu'il faut encore avancer plus loin. L'atome, il est là-bas, mais on décèle qu'il a plusieurs choses. Donc on commence à voir qu'il est constitué de tels éléments, et puis on avance, et puis on avance. Et ça nous tire vers l'horizon, ça nous tire vers le divin, quoi qu'il arrive. Cette curiosité de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, toutes les grandes questions qui font que l'humanité, aujourd'hui sait ce qu'elle sait, mais manque encore de savoir tout ce qu'elle va apprendre dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, etc. Voilà. C'est qu'aucune de nos acquisitions n'a de prix en elle-même. Elle n'est qu'un moyen qui doit nous permettre d'ouvrir en nous l'accès à une opération qui vient de plus haut, qui les engendre et qui les comprend, mais qui les surpasse toutes. L'accès à une opération qui vient de plus haut, l'extase. Pour moi,
Mais je pense que c'est parce que je l'ai pas encore entendu parler de ça. Mais je pense, voilà, l'activité n'a point les états pour fin. Elle est elle-même le principe et la fin. Et les états, voilà, c'est ça. Même s'il faut construire le cocon dans lequel l'humanité va pouvoir expérimenter, vivre l'extase permanente ou l'extase, je ne sais pas comment ça va se passer dans 200, 300 ans quand l'humanité aura atteint cet état-là. Je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. Ça va trop vite. Et puis, on ne peut même pas l'imaginer, là. Pas plus que les penseurs les plus extraordinaires du 18e siècle ne pouvaient imaginer l'ordinateur, le truc, voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Ça n'est pas du niveau de notre esprit. On peut imaginer, on peut créer, bien sûr, il y a pas de problème. Mais on est loin de savoir ce qui va se passer. Et on doit construire, mais à la fin, l'activité, lorsqu'elle devient le principe et la fin, c'est qu'elle est en état d'extase. Elle est dans la contemplation. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. L'humanité a été construite. Ça, c'est valable pour l'humanité à la fin. Je parle pas des éclaireurs qui font l'expérience de l'extase, les moines zen, les derviches tourneurs, les je sais pas. Bon, bref, les soufis afghans, les sages hindous, etc., qui peuvent expérimenter occasionnellement cet état-là, ou même longtemps. Peut-être que Ma, la sage hindoue, est dans cet état d'extase permanent, c'est très possible. Mais on n'est pas. On est chez les éclaireurs, là. C'est quelques personnes dans l'humanité qui font ces expériences-là pour nous montrer que c'est là, pour préserver cette chose-là. Mais l'idée, c'est l'humanité doit y aller dans sa totalité, doit atteindre cet état-là dans sa totalité. Et dans cet état-là, c'est l'extase qui est la contemplation, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire dans l'humanité. Tout a été construit. On vit sur une planète où l'humanité aura fait, l'ensemble humain aura construit toutes les structures pour que chacun puisse vivre partout, gracieusement, être bien, sans danger, etc. Voilà, qu'on puisse vivre cet état-là d'extase. Je ne sais pas comment ça se concrétisera, mais il faut que les structures soient construites. Et à ce moment-là, effectivement, l'expérience, et c'est tout. C'est le principe et la fin. Et les états l'expriment, mais comme des ombres qui l'accompagnent et qui nous la rendent sensible. Voilà. Et les choses sont là simplement pour permettre à cet état de se vivre. C'est tout. C'est seulement quand nous nous détachons de chaque état particulier que nous pouvons découvrir la source surabondante dont ils émanent tous. Incroyable. Dès lors, il ne faut pas s'étonner si nous avons l'impression de ne recevoir la grâce et la force inséparables de l'innocence primitive et d'un contact constamment renouvelé avec l'être, que si notre âme paraît être devenue semblable à cette feuille blanche où aucun caractère n'est inscrit avant la dictée de l'inspiration, à ce miroir vide d'images, mais qui reflète la pureté de la lumière, à ce mouvement spontané qui se poursuit avec aisance dans un milieu docile et même complice où aucun obstacle ne le retarde et ne l'arrête. J'ai les poils comme ça sur la tête parce que c'est exactement ce que j'ai compris à travers la mécanique universelle, bien sûr. Et
à cet état-là, l'innocence primitive. On devient, bien sûr qu'on devient stupide, d'une certaine manière, sous la forme de c'est ce que je dis sur la méca. On devient des hyper naïfs. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait du danger, parce que dans l'état d'extase, le sage en état d'extase, il est totalement naïf. Il ne peut pas se battre, il n'a plus envie de se battre. C'est fini, il n'a plus de velléité. Donc, il faut qu'il soit dans un monde qui lui permette d'être comme ça. Qu'il ait organisé son monde pour pouvoir jubiler cet état-là. Mais ce n'est pas... c'est pas un, voilà. Et alors, pourquoi on va vers cette direction? Je n'en sais rien. C'est clair qu'à le voir comme ça, ça fait même peur. On se dit, mais bon, à quoi ça sert d'être, de devenir stupide, etc. La seule chose, c'est dans cet état-là, il n'y a plus de peur, aucune. Donc, il n'y a plus la peur de la mort, il n'y a plus la peur. Donc, on a dépassé la mort, on a dépassé l'action, on a dépassé, et on est dans une jouissance permanente de la contemplation. Alors, pourquoi ça serait ça qui devrait l'emporter? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie la fin de l'humanité? Est-ce que ça signifie... Quel est le sens de cet état-là? Pour l'instant, il est impossible de comprendre pourquoi nous allons mécaniquement vers cet état. Pourquoi? C'est impossible de le comprendre. Et c'est qu'il doit y avoir quelque chose de positif, parce qu'il n'y a pas de raison d'évoluer vers cet état si c'était un état négatif. Les oiseaux, ils développent pas leurs ailes jusqu'à la perfection pour rien. C'est parce que à ce moment-là, ils peuvent planer complètement. Ils ont atteint entre le premier piou-piou qui a essayé de pousser les ailes comme ça, de décrocher d'un mètre, puis qui a donné naissance à des oiseaux qui ont donné naissance, qui ont battu les ailes jusqu'à ce que un oiseau s'envole et commence à voler, etc., etc. On voit le chemin pour arriver à ce que les oiseaux puissent être parfaits, quoi, hein, dans leur vol. Et nous, pourquoi nous allons vers cette perfection qui est l'extase, qui est, selon moi, la réunion avec le divin? Pour quelle raison? Pardon. Mon Dieu. Pardon. Je suis désolé. Quelques allergies bizarres. Aussi, le sage et les saints. Aussi, les sages et les saints. Experts à pratiquer toutes les ressources de l'âme pour obtenir la puissance et la joie. Voilà, il parle de la joie et la puissance, parce que dans cet état, il y a la puissance et la joie. Pour avoir fait cette expérience pendant une semaine, au bout d'un mois de mécanique universelle, de façon accidentelle, hein, et je ne savais même pas que j'étais dans cet état, je ne cherchais pas, ça n'a pas été un état que j'ai cherché, il m'est tombé dessus. Et quelques mois après, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé et j'ai compris ce qu'il y avait. Et dans cet état, j'en ai le souvenir impérissable dans mon esprit. On est dans un état de puissance et de joie, mais pas de puissance au sens ordinaire du terme. Hein. C'est pas la puissance du mafieux qui domine toute une région. C'est pas la puissance d'un type... le plus fort du village qui fait régner la terreur. C'est pas la puissance, voilà. C'est pas la puissance du gars qui calcule le plus rapidement possible, ou je sais pas. C'est une puissance complètement différente. Il n'y a plus de peur. Rien que ça, ça amène à une puissance absolue. Voilà. Celui qui n'a plus peur est dans la puissance absolue. Pourquoi? Je sais pas. Et la joie, c'est ce qu'on ressent, mais physiquement, organiquement. Chaque cellule de notre peau, de notre corps, chaque organe jouit de l'instant présent.
Et moi, ça a duré une semaine. Obtenir aussi les sages et les saints, experts à pratiquer toutes les ressources de l'âme pour obtenir la puissance et la joie, regarde-t-il comme la première condition de l'initiation spirituelle cette vertu négative par laquelle l'être, renonçant d'abord à toutes les images extérieures auxquelles s'est appliquée jusqu'à là sa préoccupation, l'être son être, mais voilà ce qui est divin en nous, hein. L'être, c'est le divin en nous, demeure enfin seul avec lui-même. L'être, il est seul avec lui-même et par conséquent face à face avec l'acte qui le fait être. C'est l'être qui s'incarne à l'intérieur de nous. L'ego s'est enfui. Quand notre ego s'enfuit, c'est la recherche des grands expérimentateurs, des sages dans le zen, dans le bouddhisme, etc. Ceux qui cherchent, ou dans le soufisme, ceux qui cherchent à atteindre cet état, ils cherchent en fait à anéantir leur ego, à sortir leur ego, ou à le calmer, ou à le rendre sourd, j'en sais rien comment ça se passe, mais l'ego n'est plus là. Et à la place de cet ego, dans notre esprit, c'est l'être qui prend possession de cela. Donc on est vécu par quelque, on est vécu par quelque chose, par la puissance créatrice. On est vécu par le divin, en fait. Le divin a pris possession de notre corps, et c'est pourquoi. Alors, certains peut-être, moi je pensais pas du tout au divin, je pensais pas du tout à Dieu, j'étais dans cet état-là, je croyais pas forcément, j'étais plutôt agnostique à ce moment-là, j'avais même pas de vision sur c'était le tout début de la mécanique universelle, j'avais pas de vision de religieuse ou quoi que ce soit, mais en sortant de cet état, j'ai bien compris qu'il y avait. Que c'était ça, que c'était la puissance créatrice, une puissance créatrice dont la nature est amour absolu. C'est pour ça qu'on vit l'amour absolu dans l'état d'extase. C'est pourquoi on jubile de plaisir. C'est pourquoi on aime toute chose de façon absolue. C'est absolument incroyable ce qu'il se passe dans cet état-là. On peut donner à cette vertu le nom de purification, de dépouillement ou d'indifférence, parce que c'est tout ça à la fois. Mais on gagne tout quand on croit tout perdre. Car si on se purifie, c'est seulement de misère, de l'amour-propre. Si on se dépouille, c'est seulement des objets qui emprisonnaient celui-ci. Si on est indifférent, c'est seulement à toutes les jouissances séparées qu'il cherchait vainement à retenir. Louis Lavelle, voilà les philosophes, voilà ce que c'est qu'un philosophe dans la grande tradition des Platons, des Pythagore, de tous les grands philosophes. De la grande philosophie, mais qui sont aussi musulmans, hindous, juifs, chrétiens, etc. Tout ça, ces grands philosophes qui s'intéressent à la spiritualité, qui l'ont vécu, qui en ont fait l'expérience d'une manière ou d'une autre, ou psychique ou physique, les Hegel, ces philosophes-là, les Nietzsche à la fin de leur vie, voilà. Nietzsche qui a lutté contre ça, contre cette évolution vers le spirituel, qui dit c'est une horreur, c'est une catastrophe, il ne faut pas évoluer. Donc c'est un des philosophes qui a compris complètement ce que voulait dire les spirituels. C'est un des plus grands philosophes, Nietzsche, mais qui donne la version par le négatif de l'évolution vers l'extase. Dont je parle sur la mécanique universelle. Il dit, les religieux nous proposent ça, et c'est pas possible, on ne peut pas, c'est l'extinction de l'humanité. Il faut, et donc, par réaction, il dit, il faut pour garder notre énergie, il faut que ça soit les bagarreurs,
les aristocrates guerriers, ceux qui tremblent pas, ceux qui n'ont pas de pitié, ceux qui sont voilà, qui ont compris la vie sous cet angle-là et qui veulent pas voilà. Mais sauf que dès qu'on leur laisse le pouvoir à ces dominants-là, c'est le chaos sur la planète. Ça marche pas. C'est pas, s'ils faisaient régner le bonheur, ça serait bien. S'ils faisaient régner la paix, par leur autorité, leur force. Il y en a quelques-uns comme ça qui arrivent, des hommes d'État qui peuvent dominer ça, et être bons et bienveillants tout en étant fermes et implacables, etc., sous cette forme-là. Mais ils sont très rares, et dès qu'on leur laisse le pouvoir, on rentre chez les Spartiates, même chez les Grecs guerriers, hein, chez les aristocrates grecs. Ils partaient à la guerre toutes les années. Et là, on voit les aristocrates du néolibéralisme ont pris le pouvoir dans les années 80 et ils ont semé le chaos sur la planète. Même s'ils ont fait quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité, ils nous ont fédérés mécaniquement, etc. Mais c'est des malfaiteurs, c'est pas des voilà, leur c'est pas des saints, donc ils abusent de leurs prérogatives et de leur pouvoir, de leur toute-puissance. C'est ce qui est arrivé, et voilà, ces aristocrates, ils ont ravagé la planète là en 40 ans, et ils nous ont amenés avec la guerre aux portes de notre. C'est quand même incroyable que ce soit ces néolibéraux qui ont ramené la guerre en Europe alors qu'on était dans un mouvement de sortir à la sortie de 45. C'était vraiment quelque chose. Et les 30 glorieuses, les 40 glorieuses, on a évité complètement cette chose-là. Et là, eh ben, le néolibéralisme, parce que ce sont les aristocrates guerriers qui ont pris le pouvoir. Alors, les aristocrates guerriers, c'est aussi les patrons d'industrie, hein. C'est la même chose, hein. C'est les mêmes. Voilà, ils sont transformés dans une autre chose, mais voilà. Et ils nous ont ramenés à l'idée de la guerre. C'est quand même assez incroyable. Ainsi, en croyant abandonner ce qui nous appartient, nous n'abandonnons que ce qui nous limite. Nous découvrons l'identité de l'être qui remplit notre capacité et de l'être qui la déborde. C'est clair que c'est exactement ça, l'état d'extase. Voilà. Les formes différentes de l'être ne s'opposent plus entre elles, bien que chacune d'elles ne puisse assurer sa liaison avec le tout, qu'en remplissant exactement sa vocation et son destin particulier. Par suite, nul ne pensera que l'âme, en retirant son attention et son amour à tous les objets, doivent en fait devenir semblables à un désert et puissent abolir en elle leur présence sensible. Ce n'est pas le cas. Comment admettre qu'un être fini puisse, sans être anéanti, voir disparaître en lui tous ses états? C'est ça, on est quand même dans ces états. Tous les états de l'être, les formes d'être particulières, des choses, existent, mais elles nous encombrent plus. J'ai pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? J'ai pas oublié d'éteindre le gaz? J'ai pas, voilà, tout ça, c'est aboli, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut atteindre un autre degré. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à ouvrir le frigo, aller chercher de quoi s'alimenter, d'éteindre le gaz. L'esprit, il est piloté, il fait quand même les choses, mais elles n'encombrent plus son esprit. Et donc son esprit peut aller vraiment dans l'extase. En un sens, chacun de ces états sera au contraire singulièrement relevé en apparaissant tel qu'il doit être et à la place où il doit être. Voilà, toutes les choses sont là, mais on n'y prête pas attention. Et comme on est guidé, on s'alimente de la meilleure façon,
sans avoir à réfléchir, on va manger pas plus que ce qu'il faut, on va, tout est complètement organisé par ce pilotage de notre esprit. C'est ça qui est incroyable. Pendant cette semaine d'extase, je me suis alimenté d'une portion comme ça, on va dire, de légumes, de choses. Tout était. Je ne sais pas comment j'ai fait pour organiser ma vie comme ça, mais tout était organisé. Je me couchais à telle heure, je me réveillais, etc. Tout était organisé dans cette existence. C'était incroyable. Je n'avais pas à y réfléchir. C'est ça qui est dingue. Donc mon esprit était en extase permanente et je n'avais absolument pas à réfléchir à ce que je faisais. En apparaissant tel qu'il doit être et à la place où il doit être, il deviendra dans son ordre un terme unique et absolu. Mais pour cela, il faudra précisément que le moi cesse de s'intéresser à lui comme à une fin qu'il pourrait modifier, retenir ou même produire, puisqu'il est assuré de retrouver dans tous les états, voilà, le moi doit cesser de s'intéresser à lui, de se retourner vers soi, ou voilà, on n'est plus intéressé par ce que nous sommes. On jouit de l'existence. On ne s'intéresse pas à ce que nous sommes. Ce que nous sommes en tant qu'individu ordinaire, moi, MOITZ, voilà, moi, etc. Puisqu'il est assuré de retrouver dans tous les états, quels qu'ils puissent être, l'acte souverainement intelligible, à la fois identique et toujours nouveau, dont dépendent à la fois sa puissance spirituelle et sa joie intérieure. Louis, je suis heureux. On n'en parle pas beaucoup de ce Louis Lavelle. Je suis heureux de lui rendre cet hommage. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Vraiment. Donc, j'ai fini là. Et c'est une compréhension. Voilà, et je pense qu'ils sont éclairés, qu'on peut être qu'éclairé. Je me mets dans ce lot parce que cet état d'extase m'a éclairé complètement la logique de cette imagination que j'avais eue de la mécanique universelle. J'imagine cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Elle me bouleverse. J'étais assis, c'était octobre 1999, j'étais assis dans un parc où j'écrivais des petites nouvelles. J'écris cette phrase de façon spontanée, comme ça, je ne sais pas pourquoi, elle est montée, elle me bouleverse, elle me met d'un seul coup, je lis cette phrase, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je viens d'écrire? Et ça me fait une bouffée de chaleur, comme si je venais de découvrir le Graal, ou quelque chose, je ne sais pas, une clé. Et je me dis, et dans mon orgueil, je suis persuadé que je suis le seul à avoir découvert ça. Au fond, il n'y avait pas d'orgueil, mais j'avais vraiment le sentiment que, comme je ne connaissais pas la philosophie, je ne connaissais pas la spiritualité, j'étais persuadé d'avoir découvert quelque chose que personne n'avait découvert. C'est sur la distance que je me suis rendu compte à chaque fois, en avançant vers la philosophie, que bien d'autres avaient pensé ça, que bien des philosophe avait compris ça, que Diotime dans dans Platon dans Le Banquet, quand il fait dire ce qu'il fait dire à Diotime, c'est ça, que très certainement les premiers grands philosophes, les Thalès, les Pythagore, ont vécu ça. Et ils l'ont pris sans doute des hindous qu'il avait déjà expérimenté, etc. Et Hegel l'a compris, et Marx l'a compris d'une autre façon, etc., etc. Et Nietzsche, dont je parle tout à l'heure. Voilà, donc, il n'y a pas de... C'est quand même quelque chose de puissant, quoi.
cette chose-là. Et donc, je rencontre cet état-là. Donc, je découvre cette phrase. Une fois sorti de ce bouleversement stupéfiant, de cette angoisse, je m'apaise, j'abandonne tout ce que j'étais en train de faire. Je faisais de la peinture, j'avais un métier, je me débrouille pour sortir de ce système-là, pour écrire, pour rentrer dans cette théorie et pour essayer de la développer. Je me rends compte que j'y arrive pas, que ça sera trop compliqué pour moi. Je sors la structure, le squelette de la mécanique universelle, ça tient en 2-3 pages, je l'expédie aux philosophes et aux penseurs et aux une vingtaine de personnes, ce petit truc que j'avais fait, voilà, 3-4 pages. Je l'expédie en disant, j'arriverai pas à le travailler. Vous voulez bien, s'il vous plaît, voilà ce que j'ai découvert. Il faut que l'humanité le travaille sur ça, etc. Vous voulez bien continuer. Alors, je l'ai envoyé comment s'appelle-t-il? Ah ben tiens, je vais essayer de... Je me rappelle l'avoir enlevé. Je l'ai envoyé à Paul Ricoeur, je l'ai envoyé à Comte-Sponville, je l'ai envoyé à, voilà, à tous ceux qui passaient un petit peu à la télévision, il me semble. Alors, c'est peut-être pas arrivé. Je sais que Paul Ricoeur l'a eu parce que je l'avais appelé. Il m'avait dit, mais je vous écrirai. Il est décédé à cette époque-là, je pense. Et d'ailleurs, rares ont été ceux qui... Deux seules personnes ou trois. Un physicien m'a répondu sans commenter, et le seul qui a commenté, c'est Michel Onfray, en fait. Voilà, c'était vraiment, voilà, c'était intéressant quand même à penser et à dire, parce que comme je connaissais pas la philosophie, je l'ai envoyé à tous ceux qui étaient un peu célèbres à l'époque. Et donc, je fais ça, et comme je n'ai pas de réponse, et lorsque j'envoie ce courrier, je rentre en état d'extase. Je poste ce courrier dans la boîte à lettres de la Poste. C'est 20 enveloppes, de grandes enveloppes, Kraft. Je les poste. Et en sortant, j'avais l'impression que j'avais fini ce que je devais faire dans mon existence. Au fond, que c'était, que j'avais accompli, que la boucle était bouclée, il me semble. Quelque chose comme ça, cet état d'esprit. Et en remontant chez moi à pied, il faisait beau. Tout doucement, je monte. J'arrive chez moi et j'étais dans cet état-là, qui a duré une semaine. Et le dernier jour de cet état, je devais partir. Je ne sais pas pourquoi, je voulais marcher dans la vie, quoi. C'était très curieux, sans aucune crainte, hein. Je n'avais pas d'appréhension de me dire où je vais dormir, alors que dans l'état ordinaire, je ne risque pas de faire une chose pareille. Mais là, il n'y avait aucune crainte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait plus aucune peur. Bon, bref. Le dernier jour, il m'est traversé une idée. C'est la première fois où j'ai pu avoir pensé à cette mécanique universelle, donc qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui n'avait pas de nom, ou je ne m'en rappelle plus, j'avais peut-être mis un terme, bon bref. Et il y a une idée qui me traverse, j'avais tout écrit sur un ordinateur, donc est-ce que c'est vraiment lisible ce que tu as fait? Donc j'ai dû aller me forcer à me mettre sur, j'ai rallumé cet ordinateur, alors que je ne pouvais pas me concentrer dans cet état-là,
Je ne pouvais pas écouter la radio, regarder la télé, tout ça allait trop vite. Les choses allaient trop vite, j'étais à un rythme ultra lent. Donc je ne pouvais pas. Et je me suis concentré pour pouvoir lire et j'ai commencé à relire un peu ça. Et là, j'ai eu une bouffée d'angoisse qui est montée d'un seul coup. Et je me suis dit, mais c'est pas compréhensible ça. Toi, tu te comprends dans ce que tu as écrit, mais comment veux-tu qu'ils comprennent ces choses-là, les gens? Donc, il faut que tu t'y mettes. Et je suis revenu dans mon état ordinaire, je suis sorti de l'extase, je suis rentré dans mon état ordinaire avec mes angoisses, mes trucs, mes affolements, mon vrai caractère compliqué à vivre. Et j'ai commencé à écrire, à décider d'écrire. Et comme je n'avais pas fait d'études, je n'ai pas fait d'université, j'ai arrêté en sixième de transition. Donc, j'avais aucune base pour pouvoir écrire correctement. C'était laborieux, les premiers mois, la première année. Le travail que c'était de pouvoir me concentrer. J'écrivais, je me levais, il fallait que j'aille boire un coup, que je fasse ci, que je fasse ça, que je boive un verre d'eau, que j'aille manger, que j'aille. J'arrivais pas à tenir en place, j'arrivais pas à me concentrer, c'était quelque chose de terrible. Et encore, j'ai progressé évidemment, puisque maintenant la mécanique universelle, il y a peut-être 1000 pages qui sont écrites, ou j'ai écrit beaucoup, mais alors j'ai un peu progressé, mais. C'est laborieux, j'ai pas l'esprit de l'universitaire qui est capable de faire un livre, de faire, voilà, d'organiser des chapitres, des choses. C'est complètement touffu, c'est bizarre comme création, mais voilà, c'est ma création et c'est ce qui devait se faire. Bon, bref, j'ai un peu dérivé et la prochaine vidéo sera la dernière, la joie et la perfection de l'acte même. Ouh, ça fait du bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit si vous en êtes là, du bonheur, de la joie et de la curiosité. Voilà, que vous puissiez vous rassasier à la connaissance des choses, de tous ces philosophes, de tous ces spirituels. De tout, à la connaissance, quoi. Parce que c'est un bonheur d'avoir ça comme nourriture. Voilà. Merci de votre écoute. Au revoir.